Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, mais je vais essayer de rattraper tout ça. J'ai pas mal de choses à vous montrer, mais aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Cold War. On va faire un peu de multijoueur, on va découvrir un peu ensemble la map, les armes qu'on peut avoir. Donc pour l'instant on n'a pas grand chose. On peut pas créer de classe encore. Il faut... Ok, donc la liste des score streak. RCXD toujours. Avion de reconnaissance, la tourelle, bombardement, ok, on a un gros canon, patrouille, machine de guerre, l'hélico d'attaque et enfin hélico de soutien. Ok, au niveau des opérateurs, bon, on a pas mal d'opérateurs, on peut choisir un peu ce qu'on veut. Moi je vais prendre celui-là. On est niveau 1. Voilà, donc ça c'est pour avoir. Pour passer au niveau suivant, on a aussi accès à la boutique forcément pour pouvoir acheter le jeu. Voilà, ok. Bon bah c'est parti. Est-ce qu'on peut se faire une partie rapide? Donc le but vraiment de la bêta, c'est de monter niveau 10. Pour obtenir un plan d'un pistolet mitrailleur pour la version finale. On va essayer de bien jouer quand même. Ok, donc on a pas grand chose. On va prendre celui-là. Je pense qu'après on essaiera de faire un mode un peu plus long. Ok. Ok, c'est parti. Prenez toutes les zones ennemies. Ça commence déjà à tirer. Bravo est contesté par les forces hostiles. Ok, derrière. Type était chaud. Ok, c'est la map que j'ai pu voir. On est en train de capturer Alpha. Peut-être des gens là-bas. On a pris Alpha. Continuez d'avancer. Prenez la dernière zone. Je vais contourner. Parce que je crois qu'ils sont là-bas. Les armes que j'ai, il n'y a pas de mec déjà. Ok. Ok, hop, c'est parti. On s'empare de Bravo. Nice. Bon voilà. Et puis balle. C'était pas mal. Faut pas oublier que je suis niveau 1. J'ai encore rien. La zone B est contestée par l'ennemi. Ils n'ont plus beaucoup de vie. En fait, je sais pas par où passer. Vous savez quoi faire. Je connais pas la map.
Bravo. On est presque à court de vie. L'équipe ennemie n'a plus de vie. On est en tête. Bien joué. On contrôle. Beau travail, CIA. Continuez comme ça et on pourra rentrer. Changement de point de ralliement. C'est ça qu'on veut. Bon, la map. La map est pas trop mal, je vois. Mais bon, il y a beaucoup de cachettes encore. C'est pas tété. Déjà. Mine de proximité en... Ok, bon, de toute façon, ils arrivent. Cherchez B. On peut passer par là. On mène la course. RCXD ennemi dans votre zone des opérations. Les forces hostiles complètent la Alpha. On s'empare de Bravo. On s'empare d'Alpha. Je les ai vus. Oh là 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 là. Avion espion ennemi dans les airs. Grenade. On capture plusieurs zones. Le point A. Bon, déjà j'ai une sale arme. L'arme elle a pas beaucoup de dégâts, pas beaucoup de recul, mais c'est pas mal. L'ennemi conteste le point A. Est-ce qu'on va essayer le point B? Bravo, verrouillé. Oh dommage. On est en train de capturer Alpha. Oh, les keystricks, je sais pas comment ça marche. L'ennemi conteste Alpha. On s'empare d'Alpha. Ils sont presque à court de vie. On est en train de capturer Alpha. Je sais pas trop où ils sont. Pas mal. Il reste qu'un point capturé. Il reste un ennemi. C'est un de trop. Ouais, c'est bon, on va l'avoir. Bien joué. Zone de la mission sécurisée. Le J saute. Ok. On arrive en buggy, quoi. De fou. Élimination. Allez, c'est parti. Confirmée. Allez, on joue pas la campouse, on est parti. Y'a personne. Grenade à fragmentation envoyée. On prend le contrôle. Ok, double frag. Ok, derrière. Déjà mon poteau c'est pas le best. Hein.
t'es pas le best, on va me soutenir. C'est fini pour nous, on fait ce combat. Voilà. Je m'en doutais un peu, vu qu'il y a beaucoup de sable. Ça allait camper sur les extrémités en fait, forcément. On a pris la tête. Déjà on est pris au piège parce qu'on est personne pour les médailles comme d'habitude. Je lance une grenade. Attendez. Menace éliminée. On n'est plus en tête. Balle de snipe. En fait, le problème, c'est comme d'habitude. Bon, j'ai pas de viseur ni rien. Allez, les gars, n'aie pas peur. On prend le contrôle. N'aie pas peur, petit. Ah oui, ils ont passé devant parce qu'on ramasse pas les médailles. Comme d'hab. Cible à terre. Je lance une frag. J'ai pris l'avantage. RCXT ennemi détecté. Changer de stratégie, l'ennemi est en tête. Je suis dans leur camp. Je passe en tête. Avion espion ennemi en approche. Déployez un avion espion. Putain, mon pote était parti d'aller chercher derrière et au final on s'est fait bexaï. Ok, y'en a un là. Oh, salaud. Bien joué. Et les bots ils sont là-bas par contre. Ça c'est le problème des joueurs lambda encore. C'est qu'il se passe rien. Grenade à fragmentation envoyée. Bon, c'est pas grave, mais ce qui est bien, c'est que déjà au niveau des armes. Au niveau des armes, j'ai débloqué les atouts. Les atouts, ça m'a été quand même pas mal. Il vise bien, mais. Pourtant, il y a masse recul avec son arme. Hein. Je lance une grenade. Oh là, il reste un peu du cul. On n'est plus en tête. Je sais qu'on n'est plus en tête. J'ai bichonné. Et nos potes ils sont là, ils savent pas. Ils savent pas par où ils viennent en fait. Je laisse pas tété. En fait la mitraillette comme d'habitude hein, de loin, c'est pas tété quoi. Artillerie ennemie en approche.
Et du caca, j'ai le steam. Allez, prends les... L'artillerie ennemie est possible. Frappe d'artillerie en approche. Attention, espion ennemi en approche. Quand j'aurai fantôme, ce sera beaucoup mieux. On va essayer de se faire ça au sniper déjà. Ok, c'est quoi machine de guerre? Ok. Déjà t'as compris. Déjà le type il avait mass kill. Ouf. Avion espion ennemi en approche. On se retrouve. Et il entend bien lui, hein, par contre. Hein. Avec sa mitrailleuse. C'était pas mal. Sniper, c'était pas mal aussi. Ça fait plaisir. On peut créer classe perso, j'ai le stimulant et j'ai les RCXD. Hop, niveau d'armes, on a pas mal. Ça va, ça avance. Hein. Bon, on fait pas un score de fou, mais bon. Pour la deuxième partie, je pense que c'est pas mal quoi. Double XP d'armes et double XP, ok. Impeccable. Voilà, on a pu voir un peu quelques trucs, hein. Les opérateurs. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a débloqué des petites choses? Par exemple, on a une lunette mire là. D'accord. Tout ce qu'on a. Et le MP5 par contre, on a des trucs. Hein. C'est sûr qu'on a déjà ça. On va le mettre. Et on a une lunette. La lunette c'est ça. Et qu'on va mettre aussi. Ok. Impeccable. Toujours pas de... Du coup on n'a pas... Les couleurs et tout ça on peut pas voir encore. D'accord. Ce n'est point grave. Bon ben voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne comme d'habitude. Je vais remettre pas mal de vidéos, je vais refaire pas mal mon design. Il y aura des nouveautés, il y aura pas mal de choses. Alors restez connectés. Allez, moi je vous laisse. Tchuss.